Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro-Congo News Sport.
De la Ligue de champions de la CAF. Zesco United est un adversaire qui a servi de sparring partenaire au FCF Mazembe. Une préparation garantie, Lamia Boumedi, coach des Corbeaux, reprend. Les matchs amicaux, ce n'est pas pour chercher les résultats, mais surtout pour chercher des objectifs, comme par exemple un système tactique, la polyvalence des joueuses, physique. Bon, c'est ça l'objectif. Moi, je m'en fous des résultats. J'avais des objectifs à atteindre. Bon, après les trois matchs, je suis vraiment satisfaite des rendements de joueuse, mais il y a du travail à faire toujours. Il faut travailler à fond. Briller et gagner collectivement reste l'objectif des filles de Jeff Capondo. Les trois buts que j'ai marqués, c'est la complicité de toute l'équipe. C'est ce qui m'a permis de marquer ces buts-là. Donc, il faut dire que c'est une. Je vois d'abord la position de la gardienne et quand je réceptionne le ballon, si je peux tirer, je tire ou soit si je peux faire la passe pour bien me positionner. William Zulu, coach de Zesco United, n'a pas caché ses impressions face à cette organisation. Non, the organization is all right and it was planned. This last game, we don't need to just play the game. It's a mission in Chezo, because Zulu, and as he needs to game Z for Zulu. Pour l'honneur et l'espoir, une partenaire accepté, une coupe a été remise à Zesco United. Voici un à présent à CPA Bouchy, le centre de la commune de Bonne-Jacques, où le jeune est à l'initiative de la bâtisse.
Martin ont reçu la visite du coach Jean-Claude Tembou, l'un des piliers parmi les entraîneurs de ce centre. Reportage à l'Insaoudis. Ici, dans une nation assez ancienne, c'est autour de vos formations de football que le pouvoir a été lancé. Quand on choisit le dimanche 12 août 2020, les terrains du Tchoubou, dans la commune de Matéli, dans son rôle social d'encadrer aussi la jeunesse, est parti avec les joueurs d'Ioni, qui ont aussi l'enfant à la demande. Et c'est tout la question. Occuper la jeunesse pour les vacances, venir à plusieurs quartiers de la commune de Matéli, le match est du mal, et le moment de fou. Les curieux et amoureux du football étaient sur place pour assister à la partie du jour sur la pression des organisateurs de la manifestation. Marcel, ancien et connu par plusieurs autres personnalités de football, de voter lundi et pour la circonstance des sénateurs, également en commun de l'État. Il en va de cette grandiose manifestation publique sous les applaudissements et acclamations du public. Nous avons si beaucoup de football. Rassembler dans la jeunesse, question éloignée aussi d'autres tentatives qui parfois écartent la jeunesse de leur réel objectif, des réformations de bataille et les meilleurs séries récompensées au finish. Et les organisateurs détaillent des explications. Le but de ces tournois, c'est pour donner la chance à la jeunesse. Les rassemblements de tous les matériaux. Redonne encore l'image de ce sport qui est un peu abandonné et je en profite pour lancer un appel à toutes les autorités. Et surtout, il y a des aujourd'hui le football ne produit pas par manque de terrains. Alors, il y a presque tous les terrains sont renfermés. Il y a des terrains dans des écoles qui sont vraiment retirés pour donner l'accès aux jeunes de relever, ça pose un problème. Mais je pense que c'est une demande de voir les choses autrement pour les échéances à venir et que tous les matériaux doivent être conscients. Dans l'avenir, dans le jour à venir, ils doivent avoir quelqu'un qui doit défendre leur intérêt. Question déposée les équipes participantes, les organismes de contre équipement nécessaires pour la première fois de la division pour une récompense au début et c'est au niveau premier de la sécurité le 26 août prochain. Nous sommes allés vite en présence, on peut le suivre assez bientôt, le football loisir vers l'équipe alignée du football, initiée par la Fondation Ancienne Initiative. Nous aurons 26 août prochain, nous ferons l'objectif d'occuper la jeunesse en ce temps de vacances dans la commune où nous serons au reportage de Dix Lamour, Benjamin Marty, ainsi que Rémi Tamboulet, présent de l'Assemblée de la commune de Monde pour la présidence. À CPA Bouchy, où les académiciens de la Matine ont reçu la visite de Jean-Claude Tembou, qui est l'un des piliers de ce centre. Reportage à la salle. L'ambiance était bonne enfant ce mardi matin à la cité Musée Laurent Désiré Kabila, UG de jeunes de l'Académie de basketball de Kinshasa, centre spécialisé en mini basketball, ainsi qu'au fondamentaux de la balle au panier. Bonjour, on va travailler maintenant la défense, ça va? Avec le coach Sekadimbo, l'un des spécialistes en la matière, le jeune vacancier ont révisité le fondamental défensif individuel équilibré à lui ainsi que la technique de la balle. En restant droit comme on avait commencé, les bras, les deux cuisses, les doigts écartés, pour chasser les ballons. Séance généralisée sur les différentes catégories inscrites durant ces grandes vacances, des 5 à 17 ans, filles et garçons. Un système instauré dans les centres pour aider les jeunes apprenants à comprendre le principe de l'universalité du basketball et de sauter 13 ans, 2 mètres. C'est une réforme, non, plutôt assez intéressante, puisque ça nous permet de se lever tôt et à la fin de mars, pour les vacances et ça nous descend un peu aussi. Le séance se passe chaque avant-midi. De mardi à vendredi soir de 8h à 11h, moment pendant lequel les jeunes vacanciers et vacancières sont utilement occupés. Ceux qui sont passionnés font objet de détection et suivi pour une éventuelle carrière sportive. Opérationnelle depuis 2010, la BAFIN a tant formé des jeunes filles et garçons en citoyens et citoyennes, utiles non seulement pour leur famille, mais aussi pour la nation et l'humanité entière, à travers des valeurs sociales véhiculées au cours de cette séance d'apprentissage.
Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.